Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Tarbawiyat مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزاتي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. اليوم غادي ندير معكم لاكتيفيتي دو ليكسيك لونيتي 5 لونفيرونمون سيمين 1 اي 2، وهذا الدرس كيتعلق بالانتونيم. منين كنتكلموا كنقولوا الانتونيم هو الضد، ضد ديال الكلمه سي لانتونيم. دو مو sont opposés, ce sont des antonymes. Ça fait, je dis les kalimas متعاكسين هما كنقولوا عليهم أضداد. سي بيان. كنرحب مجددا كل متتبع جديد عاد انضم للقناه ديالي، كنرحب بك وكندعوك انك تشترك وتفعل زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. بالنسبه للمتتبعين الاوفياء مرحبا بكم دائما، زيدوا بارطاجي وزيدوا شاركوا مع الاصدقاء ديالكم الفيديوهات باش تزيد تكبر القناه ان شاء الله ويتزادوا عدد المستفيدين ان شاء الله. Donc pour présenter cette leçon, je vais vous proposer quelques phrases. J'observe et je découvre. Donc je vais vous lire, suivez avec moi s'il vous plaît. Ouvrez vos yeux et vos oreilles, fermez vos transistors. Respectez l'ordre des lieux, évitez tout désordre. Je répète. Ouvrez vos yeux et vos oreilles, fermez vos transistors. Respectez l'ordre des lieux, évitez tout désordre. Je vous pose les questions. Donc dans la première phrase, il y a deux mots de sens contraire. Lesquels? في الجملة الأولى كاينين جوج ديال الكلمات عندهم معنى متضاد. شنو هما؟ دونك عندي ouvrez وعندي fermer. دكور غنكتبهم هنايا. دونك ouvrez يحل و fermer يسد. Ce sont deux verbes مصرفين في l'impératif présent. صافي. دوزون la deuxième question. Quels sont les deux mots de sens contraire dans la deuxième phrase? دابا جوج ديال الكلمات متضادين في الجملة الثانية. عندي l'ordre, ordre و الترتيب, désordre و ما مرتبينش. يعني كنقولوا شي حاجة en ordre يعني مرتبة, شي حاجة en désordre يعني ما مرتبش. ordre, désordre. C'est bien. Question suivante. Comment appelle-t-on un mot qui a un sens contraire par rapport à un mot? كيفاش كنسميو واحد الكلمة عندها معنى متضاد مع كلمة أخرى؟ إذا كنسميوهم ce sont des antonymes. Des antonymes. D'accord? Ce sont des antonymes. هنا قالوا لنا غير لو مو. أيوا أنتونيم. صافي. أنتونيم. لانتونيم. صافي. C'est bien. D'abord, en deux autres, je manipule et je réfléchis. C'est bon, Maya. Je manipule et je réfléchis. C'est bien. Je classe les mots trouvés, c'est du su. Donc, là, on dit les mots. On dit ouvrez ou l'ordre. L'antonyme dit l'homme. Donc, ouvrez, c'est fermer. Ou l'ordre, c'est désordre. D'accord? Désordre. C'est bien. Je complète le tableau. On dit le mot, on dit l'antonyme dit l'homme. Le mot هنايا وهنا الضد ديالو غندير هنا ابخي. شنو هو الضد ديال ابخي؟ ابخي سي افون. ديور دو دون. بروبر سال متسخ. جولي سي لي. بولي سي ان بولي. هنا ضريف هذا ماشي ضريف. فور فابل. دونك هنايا لي مو وهنا لي زانتونيم. هادو ما بجوج كنقولو عليهم سو سون دي زانتونيم. Ce sont des antonymes, ce sont des antonymes, ce sont des antonymes, ce sont des antonymes, ce sont des antonymes. Ça fait. Deuxième, je retiens. L'antonyme est un mot dont le sens est contraire à celui d'un autre. L'antonyme هو واحد الكلمة عندها معنى متضاد مع كلمة واحدة أخرى. Exemple, la vie, الحياة, والموت. Difficile, facile. صعب, سهل. Deuxième, maintenant la page 144. Pour faire les exercices d'entraînement et de l'évaluation, je m'entraîne. Je relis chaque mot à son antonyme. دابا اتدرب ولا اتمرن غادي هنايا نربط واحد الخط الكلمه والانتونيم ديالها يعني الكلمه والضد ديالها. Désordre ou à l'ordre. Intelligent, ذكي, idiot. Il y en a bruit, bruit c'est silence. Belle c'est laid. D'accord. On passe à la question suivante. Donc, je recopie les phrases suivantes en remplaçant chaque mot souligné par son antonyme. Donc, on a eu le kitab de la phrase ou on a eu le kitab de la phrase. Donc, voici l'air pur, voici l'air. L'air, donc, voici l'air pur. Voici l'air, maintenant, on a eu pollué.
pollué. D'accord? Voici l'air pollué. Ou là, on peut mettre impur. D'accord? Impur. Ça fait. Le compteur allume le feu. Le compteur, il y a un chars qui est mkhayem. Donc, le compteur allume, c'est éteint. Donc, il y a trois. Éteint. Éteint le feu. D'accord? Éteint le feu. Donc, ça c'est. Ça fait. Deux, je m'évalue. Je m'évalue. Donc, je recopie les expressions en remplaçant le mot souligné par son antonyme. Donc, radin aoud l'kitaba dial had les phrases. Ou radin aoud kul antonyme. Ou bien kul kelma blantonyme dial ha. Kul kelma bdd dial ha. Ça fait. Donc, avant. Avant de dial ha et après. Donc, après. Après la fête. D'accord? Après la fête. Au début, c'est à la fin. À la fin. À la fin de la visite. De la visite. Donc, elle, bien, il se réveille. Donc, il y a une autre. Tôt, c'est il réveille tard. Ah, tard. Ça fait. Il part à toute vitesse. Il part. Il part à moins vitesse. À moins vitesse. À moins vitesse ou l'indéro lentement. Lentement. Se bien conduire, se mauvais conduire. D'accord? Se mauvais conduire. Se mauvais conduire. Se mauvais conduire. Très bien. Deux la question suivante. J'écris des phrases avec les antonymes suivants. Des phrases, c'est mal cette sortir et rentrer. Ça fait. Donc, ce sont, ou bien, ce sont des verbes. Donc, diro. Donc, les gens sortent de la gare. La gare. À 8 heures et rentre à 10 heures. Il y a des gens qui ont été en train de se faire à 10 heures. Dire la deuxième phrase. La deuxième phrase, maintenant, dire il est difficile. Il est difficile. Ça aide à là, monter. Mais. Il est facile avec une seule un acte de descendre. Il est facile de descendre. Vous savez? Donc, l'activité du lexique, l'antonyme. Quand vous avez vu que 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 v